Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Donc, retour de la lumière jaune. Eh oui, elle m'avait manqué celle-là et je suis sûre que vous aussi. Donc voilà, il est assez tôt. Là, le lundi, je commence très tôt le travail. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc bref, c'est parti, je vais aller au travail. Donc c'était juste pour vous faire un petit coucou et vous dire bonjour. Je vous souhaite une très bonne journée à vous aussi. Et puis, à plus tard. Donc voilà, journée finie enfin. Donc maintenant, il est l'heure d'aller chercher Chouchou à l'école. Et puis après, on va passer au Leclerc Drive, chercher mes quelques courses que j'ai fait en appoint. Et puis après, on se retrouve donc directement à la maison. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on vient de rentrer et je me suis dit pourquoi pas vous présenter les 2-3 courses que j'ai fait. Ça peut peut-être vous donner des idées de repas ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me suis dit tiens, ça peut peut-être vous intéresser. Donc au niveau du congelé, donc je vous les présente tout de suite comme ça me permettra pour les ranger directement. Donc j'en profite, j'ai repris des coquilles Saint-Jacques, voilà, de la marque Tic Tac. Donc à la bretonne, c'est celle que je préfère, j'adore. Donc voilà, généralement on achète ça avec une petite salade, un petit accompagnement. Franchement, ça suffit largement. Et c'est super bon, ça j'adore. J'ai repris aussi des petits paniers aux œufs saumon, vous savez, donc c'est des petits feuilletés comme ça avec des garnitures. Donc j'ai pris au saumon et ça aussi c'est super bon. Même la marque côté table, donc de la marque Leclerc, la marque Repère, ils sont aussi très très bons. Donc voilà, j'ai repris ça. Côté frigo, j'ai pris donc des yaourts, les Danone fruits mixés. Donc ça c'est les yaourts pour monsieur, donc il aime que ceci, il aime pas ceux avec des morceaux. Donc ils sont très très bons. Pour le petit, je lui ai pris des petits yops à boire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris des yaourts à boire. Et j'ai trouvé ceci, les petits yops, donc c'est des grands bidons. Et il les aime beaucoup ceci, donc il les a déjà achetés. Donc j'en ai racheté un pack pour lui faire plaisir. Ensuite, c'est pareil, j'ai racheté des petites danettes liégeoises. Donc ça, c'est pareil, le petit adore celle-ci. Donc voilà, j'en ai acheté 4 pour de temps en temps, pour faire plaisir. Voilà, un petit dessert gourmand. Et voici donc mes yaourts, les miens, les tailles fines, 0%. Alors avant, je prenais les paniers de Yoplait 0% qui étaient très bons. Et une fois, j'ai testé donc ceux-ci, parce qu'il n'y avait plus les paniers de Yoplait 0%. Et les tailles fines aux fruits, ils sont super bons. Ils sont presque même meilleurs que les paniers de Yoplait. Je trouve qu'ils sont d'ailleurs moins sucrés, parce que j'aime pas trop quand c'est trop sucré. Et oui, d'un coup, je les aime beaucoup ceux-ci. Puis une pizza Sodebo, voilà, on aime bien une pizza de temps en temps, de temps en temps, une fois par semaine, voilà, on aime bien se faire une pizza le soir. C'est pratique des fois, voilà, quand c'est un peu la course ou la flemme même carrément. Donc voilà, une petite pizza Sodebo et celles-ci, elles sont super bonnes. Ensuite, j'ai pris plusieurs paquets de jambon parce que souvent on fait du jambon, on fait soit des croque-monsieur ou des sandwichs, des choses comme ça. Moi, j'aime bien manger en accompagnement d'un repas le midi avec 2 tranches de jambon. Donc, j'ai pris le jambon à l'étouffée sans nitrate. C'est nouveau et au niveau des macros, il est super bon. Là, au niveau de la composition, top. J'utilise l'application Yuka qui me permet au moins de voir un peu la composition de chaque produit. Et j'ai découvert que l'étouffée sans nitrate, franchement, en plus au niveau du goût, il est super bon. Et il a une très bonne composition. Donc voilà, j'en ai pris 2 paquets et j'ai pris aussi des blancs de poulet rôtis à la broche que j'aime beaucoup aussi manger comme ça. Donc voilà, des petits kiri goûtés, donc ça c'est super bon, même moi de temps en temps... j'en mange. Bon, j'ai repris un morceau de gruyère, c'est toujours utile. Du gruyère râpé. J'ai pris des allumettes de bacon. Donc en fait, c'est vrai qu'avant, je prenais souvent des allumettes, je prenais des lardons. Et en fait, c'est hyper gras. Et maintenant, je prends, c'est vrai, des allumettes de bacon. Et c'est beaucoup moins gras. Je pense que vous pouvez voir.
Et c'est meilleur au goût, il y a beaucoup plus de viande, enfin de chair. Et ça, après, du coup, voilà, des fois dans une omelette ou un accompagnement, ou faire des pâtes carbonara, j'ai pensé aussi à me faire ça. Donc, franchement, c'est bien meilleur que des lardons. J'ai repris un paquet de Babybel. Voilà, donc ça, c'est le petit et moi qui mangeons des Babybel. J'adore ça aussi, moi. Donc voilà pour ce qu'il va offrir. Donc là, je vais ranger ça et je vous montre encore les 2-3 petites courses que j'ai fait. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Alors ça, j'adore. C'est des steaks de soja et blé. C'est des gros steaks. Ils sont hyper épais. Hein. Ils sont comme sur la photo. Et franchement, c'est une tuerie. Ça a super bon goût. J'adore manger ça. Il est hyper consistant. Donc là, il y en a deux. Et ça, c'est une révélation. J'ai goûté ça. Et maintenant, j'en achète toutes les semaines. Et ça, je mange ça au moins une fois par semaine. J'adore. C'est vraiment trop, trop bon. Et donc, dans les placards, j'ai vraiment pas acheté grand-chose. Donc j'ai racheté du pain de mie complet parce que c'est vraiment celui que je préfère. Donc là-bas c'est du pain de mie complet sans croûte, voilà, celui-là il est vraiment super bon. J'ai racheté des petits pots de sauce, voilà, j'achète ceci, ça suffit largement, c'est des petites doses et c'est hyper pratique, voilà, parce que des fois moi j'aime pas trop manger, généralement c'est pour les pâtes et généralement je prends pas de sauce dans les pâtes, mais voilà, des petits packs comme ça que j'ai racheté. J'ai pris des petits déjeuners, comme ça les petits déjeuners. D'ailleurs, c'est un petit paquet que j'ai pris. J'ai pas fait attention, mais je pense que j'aurais dû prendre un plus grand paquet. Parce que ça, c'est ce que le petit et son papa déjeunent le matin. Donc voilà, des petits déjeuners comme ça. Donc ça, c'est bon aussi. Moi, je me suis repris des... Oups, je vous montre le pain à azim. C'est super bon. Pour ceux qui connaissent, franchement, j'adore ça. Moi, c'est croustillant. Voilà, il n'y a pas grand chose dedans, c'est de la farine et de l'eau, mais moi j'adore, j'adore, voilà. Donc généralement vous faites des petites tartines avec ça le matin, moi j'adore ça. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez ce produit-là, parce que c'est vrai que du coup, je crois que quand j'en parle, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent. Moi, j'ai été entre guillemets élevée avec ce genre de produit, avec ce produit-là, et franchement j'adore ça quoi. Même manger comme ça, nature, je trouve ça trop trop bon. Et donc j'ai pris un paquet de bonbons, donc comme je vous avais dit dans un précédent vlog, c'est pour mettre dans la bonbonnière, donc voilà, pour la remplir. Et je me suis racheté aussi des piles parce qu'il me fallait des piles pour mes petites guirlandes électriques, donc j'ai racheté des piles. Donc voilà pour ma petite vidéo haul court, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si ça vous intéresse d'en avoir un petit peu plus. Si vous voulez que la semaine prochaine je vous refasse une vidéo comme celle-là sur Sion et Courses. Donc voilà, bon allez. Maintenant il est temps que je range encore un peu tout ça et on va aller ouvrir les calendriers de l'avant parce que je les ai pas encore ouverts. Donc voilà, alors c'est parti, je vais ouvrir mes calendriers de l'avant, donc à tout de suite. Donc je vais sûrement vous poser et puis ce sera beaucoup plus simple pour ouvrir les calendriers. Donc au niveau du look fantastique, alors boîte numéro 4, alors c'est toujours pareil, va falloir la trouver. Donc là c'est le 7 et le 5, donc pour demain c'est le premier tiroir, hein. Vous me ferez penser. Et donc yes, c'est le dernier tiroir. Donc la boîte numéro 4, qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air d'être un produit. Oh, faut que je vous parle du produit que j'ai eu, le pré-shampoing. Je vous en parle juste après. Ah, je l'ai déjà eu. Elle est top, top, top. Hop, je vous la pose ici. Donc c'est une crème ultra réparatrice, franchement elle est géniale, c'est une super crème. Donc là c'est un gros format, je suis super contente et vraiment c'est une tuerie cette crème. Donc là trop trop bien. Donc ensuite, alors la case numéro 4, la boîte la numéro 4 c'est celle-ci, j'ai trouvé tout de suite. Voilà. Oh il est beau! Oh là là, il a des reflets, on dirait un truc de sirène, une queue de sirène. Donc je sais pas si vous voyez bien. Et franchement, il est super, super beau. Il a des reflets, même un petit peu violet comme ça. Je pense que vous le voyez bien à la caméra. Waouh, il est magnifique. Par contre, c'est pas de saison, hein. Je pense que pour l'été, ça, il doit être trop beau. Et ensuite, de chez Kiehl's, alors, la case numéro 4, où se trouve-t-elle ? Alors vous ne me croirez sûrement pas, mais en fait j'ai passé au moins 5 minutes à essayer de trouver et en fait c'est la case là, la 4. Je croyais en fait que c'était 20, la case 21 et en fait non, il y est. C'est la case 21, elle est ici. Donc c'est bien la case numéro 4. Oh là là, je vous jure. C'est pas facile hein, tous les jours. Oups.
Et donc là, nous avons un produit Line Reconducing Concentré Powerful Strain. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Powerful Strain Line Reducing Concentrate. Donc voilà mes trois produits. Alors franchement, je suis super contente pour ces deux produits-là. Celui-ci, malheureusement, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc ça, je pense que c'est un concentré qui réduit peut-être les pour les rides. Peut-être, je ne sais pas exactement. Il faudrait que je regarde parce que c'est vrai que Kiehl's, je ne connais pas forcément leurs produits. Donc des fois, c'est un petit peu difficile de savoir ce que c'est. Donc voilà. Donc je voulais vous parler de ce produit, vous savez que j'ai reçu, donc c'est un exfoliant pré-shampoing. Donc en fait c'est une texture un petit peu avec des grains que vous mettez sur la racine et vous appliquez, vous massez, vous laissez poser et après vous appliquez, vous faites votre shampoing, je ne sais plus parler. Et en fait, comment vous dire que, je sais pas, alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai les cheveux un peu crépus. Et par contre, le problème, c'est que, voilà, regardez, je sens encore, au niveau de la racine, j'ai encore plein de grains, en fait. Et je pense que j'ai pas très bien rincé, je le sens. J'ai encore plein de grains au niveau des racines. Et je sais pas, et j'ai l'impression que mes cheveux, ils sont... comme si j'avais appliqué un après-shampoing et que du coup j'avais pas rincé mon après-shampoing parce que je les trouve un peu poisseux, un peu bizarre mes cheveux. En plus, voilà, là, en plus, et ils sont emmêlés comme un rien. Voilà, je passe la main et regardez, je peux même plus. Je peux pas les démêler. Donc c'est un peu une catastrophe. Je peux pas. Donc voilà. Alors je sais pas, c'est la première application. Je vais voir les suivantes. Mais pour l'instant, en plus, je sais même pas trop à quoi ça sert, à part faire un exfoliant du cuir chevelu. Mais je reste un petit peu sceptique. Donc voilà, si vous connaissez ce genre de produit, dites-moi en commentaire vraiment si c'est efficace, à quoi ça sert réellement. Parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Donc voilà. De la fin de la soirée, donc là il me reste encore 2-3 petites choses à faire et puis donc je vais préparer à manger. Il va être l'heure de préparer à manger. J'ai préparé mon sac de sport où je pense que vous aurez vu des petites images. Donc voilà, mes affaires sont prêtes pour demain parce que voilà, qui dit mardi dit séance de sport. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien d'autre. Voilà, j'ai encore 2-3 petites choses à faire. Il faut que je réponde. La maîtresse m'a envoyé un petit courrier là pour l'anniversaire d'Evan. Il faut que je réponde. Et puis c'est tout. Donc voilà pour la soirée. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos et prochains vlogmas. Je vous dis donc à demain pour un prochain vlogmas. Ciao.